Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un petit peu une update du tag que j'avais fait il y a un an je crois, What's on my phone, parce que j'ai changé de téléphone, j'ai changé d'application, tout ça, enfin j'ai tout changé. Donc si les réponses aux questions basiques du What's on my phone, il y avait quoi, du style à quel âge as eu ton premier téléphone, quel était ton premier téléphone, etc. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la première vidéo que j'avais faite en barre d'infos. Et aujourd'hui du coup on va juste parler de ce téléphone là et de mes applications. Enfin voilà, je vais vous faire un tour de mon petit téléphone aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder. Donc on va commencer par le commencement. Mon téléphone c'est l'iPhone 6S, donc en rose gold. Je vais vous enlever la coque. Et donc voilà pour mon téléphone, donc c'est le rose gold. Il est vraiment somptueux, je pense que c'est vraiment le téléphone dont j'ai toujours rêvé. Parce que j'adorais toujours les iPhones et j'adore le rose. Donc combiné aux deux, je trouve que c'est vraiment super bien. Je suis vraiment satisfaite à 100% de ce téléphone. Je ne peux plus m'en passer, je l'adore. Et bien sûr je ne le laisse pas sans protection. Ma coque du moment, c'est une que je vous ai présentée dans mon dernier haul. C'est la Victoria's Secret que j'ai eue à Londres tout simplement. Et je trouve qu'elle protège vraiment bien. Elle remonte sur les côtés, ce qui fait que s'il tombe, ben, ça reste quand même protégé. Je trouve que la coque est vraiment sublime. Donc voilà pour mon téléphone. Donc je suis désolée si je regarde pas la caméra. Je vais essayer de regarder de temps en temps, mais forcément je regarde mon téléphone. Donc en dessous, ce que vous pouvez voir, ce sont des bandes roses et blanches, un peu style Victoria's Secret, parce que depuis quelques temps je mets plus de photos parce que j'aime bien que ce soit clair en fait, pour que je remarque bien mes applications. Donc je mets quelque chose de clair et quelque chose que j'aime bien, donc ces bandes là je les trouve top. Et quand on déverrouille l'iPhone, c'est tout simplement une photo de mon chéri. Donc cette photo elle date quand on avait été à Paris une fois et on attendait le métro. Et je trouvais qu'il prenait bien le soleil, que c'était joli, et j'ai essayé de le prendre en photo. Donc il y a tout le temps une photo de mon chéri ou de moi et mon chéri en fond d'écran. Je trouve ça mignon et j'aime bien. Donc c'est parti. Donc sur la première page, il n'y a rien de spécial. Il y a les applications un petit peu bateau d'iPhone, calendrier, photo, etc. En bas, j'ai décidé de mettre mes messages téléphone parce que je les utilise vraiment très souvent. J'ai également les mails où je suis en retard. Là, c'est la catastrophe, ma chérie, comme on dit. Et j'ai également Instagram parce que je l'utilise vraiment tout le temps. Donc on reviendra sur Instagram plus tard, on va passer sur la deuxième page. Donc j'ai une petite catégorie qui s'appelle autres, où il y a encore une fois plein d'applications bateau d'iPhone qu'on ne peut pas supprimer, donc qui sont rangées ici. Mais j'en ai trois que j'ai rajoutées. J'ai tout d'abord rajouté l'application de ma banque, donc BNP, mes comptes. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique de suivre sur le téléphone plutôt que sur l'ordinateur. Ensuite j'ai l'application Leclerc Drive parce que je l'utilise de temps en temps et quand il faut scanner une fois arrivé au Leclerc Drive, j'utilise l'application. Et j'ai aussi l'application Uber parce qu'on l'a enfin testée l'autre jour quand on a été sur Paris et du coup on a téléchargé l'application, c'est beaucoup plus pratique. Et c'était vraiment très bien, on a eu une très bonne expérience avec Uber, donc voilà, c'est pour ça que j'ai l'application. Ensuite il y a Apple Watch et il y a aussi Safari que j'utilise vraiment beaucoup. Ensuite on a une catégorie voyage, donc ça se voit que c'est pas spécialement préparé parce que au final j'ai une application qui n'a rien à voir et juste SNCF. Donc l'application Astuces, j'ai jamais été dessus, je pense que c'est une application... qui est dans l'iPhone quand on l'a, il me semble. Donc faudrait peut-être que je découvre, hein, ça serait peut-être pas mal. Et puis j'ai SNCF parce que je l'utilise souvent quand on va à Paris ou quand on va à Londres, parce qu'on prend le train pour aller à Paris pour prendre l'Eurostar. Donc voilà. Ensuite on a une catégorie blog beauté, donc ça s'appelle blog beauté parce qu'au départ j'avais mis tous les blogs que je voulais regarder et puis au final j'ai rajouté des trucs de cosmétiques également. Donc on a Julie World of Beauty, Peekaboo je l'adore vraiment, je la suis régulièrement, j'aime vraiment beaucoup. Donc en fait c'est pas vraiment une application, c'est juste qu'avec l'iPhone vous pouvez faire une petite icône sur votre téléphone par rapport à un site internet. C'est un gain de temps plutôt que d'aller dans internet, de marquer le nom du blog, etc. Mais au moins voilà, je clique dessus et je suis directement sur ce qui m'intéresse, donc c'est vraiment bien. Et je vous conseille de faire ça quand vous allez régulièrement sur un site qui n'a pas d'application, du coup vous mettez une petite icône et c'est vraiment hyper pratique et grâce à ça j'y vais vraiment tout le temps. Ensuite j'ai le classique Sephora, je commande vraiment très rarement sur mon téléphone avec l'application, je préfère aller sur l'ordinateur. Mais si je veux consulter un prix, une nouveauté ou quelque chose comme ça, j'aime bien aller dessus. J'ai également l'application Kiko que je téléchargeais il y a pas longtemps et que du coup j'ai pas encore découverte, je l'ai pas encore ouverte du tout. Je savais même pas qu'ils avaient une application, faudrait que je me penche un petit peu plus sur les nouvelles applications beauté parce que je suis pas très à la page. Mais donc voilà. Donc j'ai une catégorie réseau, donc c'est celle que vous imaginez bien que je vais le plus. Donc on a Snapchat, là vous allez pouvoir voir en direct voilà ce que je fais. Je suis un petit peu en retard dans les réponses aux questions sur Snapchat, je suis vraiment désolée. D'ailleurs quand j'y pense, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo, j'ouvre vos Snapchat parce que maintenant que j'ai compris tout le système... Bah, je trouve que ça serait sympa et il me semble que vous me l'avez demandé. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire.
Ensuite, j'ai l'application Twitter, mais je ne l'utilise jamais. Je n'ai pas du tout de compte, hein. Vous êtes quelques-unes à me demander. Je n'ai pas de compte Twitter. Ensuite, bien évidemment, j'ai YouTube parce que j'y vais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette application, j'y vais vraiment tout le temps pour répondre à vos commentaires, pour suivre des nouvelles vidéos qui sont sorties, etc. Elle est vraiment très pratique. Ensuite, j'ai Pinterest. Je pense que vous connaissez parce que je vous en ai parlé vraiment dans de nombreuses vidéos. C'est vraiment un site qui me plaît. Je pense que c'est une de mes applications préférées. Je suis fan de Pinterest. J'y vais tout le temps. Donc si vous voulez me suivre, voilà, le pseudo est affiché, Beauty Marie B. En fait, c'est un site où il y a plein d'inspirations. Vous tapez mode, fashion, vous tapez une marque, vous tapez make-up. Et en fait, il y a plein de magnifiques photos. Et selon si elles vous plaisent ou non, vous allez dessus. Je vais vous montrer par exemple celle-ci. Je vais dessus. Si elle me plaît et je veux qu'elle soit réaffichée sur mon compte, je vais dans Pinterest. Pinterest si ça marche bien, et en fait j'ai plein de catégories, donc là c'est girly bedroom on va mettre, et voilà, du coup elle sera enregistrée sur ma catégorie et je pourrai la revoir tout le temps, et mes abonnés également, si vous me suivez dessus vous pourrez voir toutes les photos qui m'inspirent, toutes les photos que j'aime, etc. Et c'est vraiment une application de partage que je trouve vraiment hyper jolie, ça m'inspire vraiment beaucoup. Par exemple pour la déco j'ai une catégorie home, et regardez moi par exemple ce lit, c'est juste sublime, enfin voilà, ça m'inspire beaucoup et je trouve que cette application me fait rêver en même temps et je l'adore, je peux plus m'en passer. J'ai ensuite l'application WeHerEat que je me sers beaucoup moins souvent. Il faudrait encore une fois que j'approfondisse l'application pour pouvoir vous en parler, mais je l'ai jamais spécialement utilisée. Je l'ai téléchargée une fois, j'avais fait un petit tour et au final je vais tout le temps sur Pinterest et je pense que c'est un petit peu le même genre. Donc voilà, je l'ai mais il faudrait que je la creuse un peu plus. Ensuite j'ai une première catégorie divertissement où j'ai le télé-loisir parce que j'adore voir ce qu'il y a en programme le soir, dans la journée, en ce moment, etc. J'ai la télécommande d'Orange que je vous parle souvent parce qu'un jour ma télécommande était tombée en panne et que j'avais rien du tout pour changer la télé. Du coup on avait téléchargé cette application là et par exemple là je suis dans la chambre, mon chéri est en train de regarder la télé dans la salle, je peux directement changer ce qu'il regarde et je l'utilise tout le temps, c'est hyper pratique, elle est hyper bien faite et ça marche super bien. Et j'ai l'application télé d'Orange quand j'ai envie de regarder la télé éventuellement. Ensuite j'ai une catégorie qui a pas de nom, alors je sais pas comment ça se fait. Pourquoi t'as pas de nom toi? Bon bah je sais pas. Et en fait c'est un regroupement de tous les sites de mode que je consulte régulièrement, donc Bershka, Mango, Zara, Asos, Zara Home, H&M et encore je pourrais en rajouter pas mal. Mais quand j'ai envie de me faire une grosse séance où je regarde tous les sites, je vais sur mon ordinateur, mais quand j'ai envie de checker un petit peu les nouveautés, les soldes par exemple, qui sont en ce moment, bah en deux clics, voilà, on est sur l'application et on peut voir. Donc je mets vraiment ceux que j'utilise le plus sur mon portable parce que sinon je m'encombrerais, je suis tellement de magasins que j'en aurais trop sur mon portable, donc le reste je fais sur l'ordinateur, mais celle-ci c'est celle que j'utilise le plus. Ensuite j'ai une deuxième catégorie divertissement, donc c'est voilà des trucs pour se divertir. La petite icône que vous voyez en bas, c'est ça s'appelle se coucher moins bête je crois. Et je la consulte pas souvent, mais de temps en temps, les pubs, de temps en temps je la consulte et en fait ça vous donne des petites anecdotes hyper rapides sur la culture, sur l'histoire, sur plein de choses pour se coucher moins bête, donc voilà. J'ai Minion Rush, c'est une application que j'ai découvert il y a pas longtemps quand il y a eu Moi chez Méchant 2 sur TF1. Donc voilà, j'ai une application jeu avec Olaf. J'ai aussi Akinator, je sais pas si vous connaissez cette application, c'est vraiment génial. Ça se fait également sur ordinateur je crois. En fait c'est une application où vous allez penser à une célébrité, une chanteuse, même un sportif, un footballeur. Je sais pas si ça fait les dessins animés, il faudrait que je me renseigne. En fait c'est un regroupement de célébrités ou même de personnes connues. Par exemple si vous mettez Cyprien Norman, vous y pensez, vous répondez aux questions, je pense qu'il va les trouver. Mais nous comme on est dans le secteur de la beauté, on va essayer de trouver Marie Enjoy Phoenix. Donc vous pouvez voir les questions s'afficher, je vais mettre des réponses et on va voir s'il va trouver. Donc oui c'est une fille. Non. C'est pas américaine. Est-il célèbre? Bah oui elle est célèbre. Ton personnage a-t-il plus de 35 ans? Non. Oui. Oui, c'est un youtubeur, donc déjà il se rapproche. Ton personnage a-t-il déjà participé à l'émission Danse avec les stars? Donc je pense qu'il a déjà compris. Pour sa voix puissante, non. Ton personnage a-t-il été créé... Ton personnage a-t-il été connu en mettant des vidéos sur internet? On va voir s'il a trouvé. Et bingo, il a trouvé. Donc vous voyez, c'est vraiment top. On va faire un deuxième test avec Noémie Makeup Touch. Donc c'est parti. Donc non, ce n'est pas un garçon. Connu. Oui, bah du coup, hein, comme je recherche que des youtubeurs, youtubeuses, ils commencent à recomprendre. Non, du tout. Ton personnage est-il un des anges de la marque Victoria's Secret? Non. Non. Je vais arrêter de lire les questions parce qu'en final, vous les voyez et je répète. Non. Oui, elle est en couple. Oui, elle a un rapport avec le monde de la beauté. Non, elle n'a pas les cheveux blonds. Non, elle n'a pas un prénom musulman.
Non. Non. Donc elle a déjà eu les cheveux rouges, donc je pense que c'est possible qu'il me parle d'elle si je dis oui. La tête, non. Non. C'est fou. Il a même trouvé Noémie. Donc tu vois, Noémie, si tu passes par là, tu es sur Akhinator. Donc voilà, c'est juste fou. Donc voilà pour les divertissements. Maintenant, on va passer à la musique. À la musique. On va passer à la musique. Donc j'ai l'application musique d'iPhone hyper classique. Et j'ai également l'application Tubex. Donc c'est une application que j'utilise vraiment beaucoup. C'est une application qui permet de faire des playlists en fait avec différents artistes que vous voulez ou une playlist d'une seule personne en fait. Par exemple, moi vous voyez, je me suis fait une playlist de Beyoncé en fait où j'ai pas mal de ses musiques et elle tourne en continu. Et ce qui est vraiment bien avec cette application, mais c'est que quand on verrouille l'iPhone en fait, ça continue de tourner et souvent les applications de musique ça ne le fait pas. Donc je trouve qu'elle est vraiment pratique celle-ci. Ensuite, j'ai deux catégories actualité. Donc la première, c'est un petit peu plus les informations en fait, voilà, comme BFM TV. J'ai également CNN, voilà, pour essayer de pratiquer un peu l'anglais, pour essayer de le lire, etc. J'y vais pas très souvent, hein, je vais pas vous mentir, hein, j'y vais pas très souvent, mais de temps en temps j'aime bien essayer d'aller comprendre ce qu'ils disent. Et j'ai une autre catégorie actualité, donc là c'est vraiment plus people, filles, parce que j'ai Elle, Closer, Grazia. Ah non, par contre j'ai Le Monde. Le Monde, il a rien à faire ici, il devrait aller de l'autre côté, donc rien à voir. Mais voilà, là c'est un petit peu plus les choses de filles. J'aime bien les consulter de temps en temps. Ensuite j'ai photographie avec trois applications. Donc Maldives et Instant Picfra, en fait c'est plus pour faire des montages avec plein de photos. Par exemple vous voulez faire un carré de 4 photos, vous les sélectionnez, etc. Il me semble qu'il y a également des filtres dans un des deux, mais honnêtement je les utilise vraiment jamais. J'utilise seulement Instagram pour les filtres. Mais c'est sympa de temps en temps également aller sur ces applications là, donc c'est pour ça que je les ai. J'ai également InstaSize qui est très connu pour ne pas perdre les dimensions de votre photo par exemple. Par exemple vous faites une photo qui est un petit peu longue, bah Instagram il va vous la couper automatiquement en carré. Alors que, oula, alors qu'est-ce que c'est, non. Alors qu'avec cette application là ça permet de garder vraiment sa forme d'origine. Mais il est possible également de régler avec des filtres. Vous pouvez également faire des collages, donc rajouter d'autres images, ça peut être sympa également. Vous pouvez rajouter des petites émoticônes aussi, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup et elles sont un petit peu bateau, donc je m'en sers vraiment jamais. Et vous pouvez également rajouter du texte, donc elle est sympa également. Et hier également, j'ai téléchargé l'application Gmail, donc je ne l'ai pas encore utilisée parce qu'en fait, dans ma boîte mail que vous voyez en bas, j'ai deux boîtes mail. J'aimerais bien les séparer pour m'organiser un petit peu mieux. Donc je l'ai téléchargé seulement hier et je vais l'utiliser. Et puis donc Instagram que je laisse en bas parce que je l'utilise vraiment tout le temps celui-ci. J'aime vraiment énormément cette application, j'y suis tout le temps pour voir vos commentaires, vos likes et aussi pour suivre évidemment les personnes que j'aime tout simplement. Et vous êtes 5514 à me suivre donc je vous remercie énormément. Et pour toutes celles qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je vous mets le lien en barre d'infos. Enfin je vous mets mon nom en barre d'infos. Donc si vous n'êtes pas encore présente sur Instagram, n'hésitez pas à venir me rejoindre, ça me ferait super plaisir. Et voilà, je poste vraiment pas mal de photos. Là, c'était lors de mon voyage à Londres. Et voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour. Et donc voilà pour cette vidéo, les filles. J'espère vraiment sincèrement qu'elle vous aura plu. Comme vous avez été nombreuses à me le demander, bah, j'espère qu'elle sera à la hauteur de vos attentes. Voilà, j'espère vraiment qu'elle aura pu vous aider ou vous faire passer un bon moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce vers le haut. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'ouvre vos Snapchat en vidéo. Ça peut être hyper sympa, je trouve. Je vous fais plein d'énormes bisous, les filles, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!